Et donc on est ici réunis avec la grande communauté du Cameroun et la grande communauté de la Côte d'Ivoire. Et on a été unis vraiment dans l'amour et dans une grande fraternité. Et au-delà de la fraternité, dans un grand sens d'amitié, grâce à l'arrivée donc du prophète Joël Grasso. Nous nous retrouvons aujourd'hui, on a prié, on est en communion, on est en agapé de famille. Pour remercier déjà le Seigneur pour avoir donné l'opportunité de nous être rencontrés par l'intermédiaire de l'arrivée de son fils. Donc il y a des œuvres encore qui ont lieu après son passage. Et surtout, on dit merci beaucoup à Doro Joël Chalon, le prophète Grasso, pour la grande visite courtoisie qu'il a effectuée au milieu de nous. Et on bénit le Seigneur pour lui avoir permis donc de se rendre à Gérone. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le fruit de la communion donc du comité d'organisation qui se retrouve après son arrivée pour rendre grâce à Dieu et pour vivre le fruit de l'amitié qui effectivement sont nés justement grâce à sa rencontre. Donc merci beaucoup. Je remercie personnellement mon frère Déby, Roger, Papy, Félicien et toutes nos confrères, femmes et frères qui sont ici réunis avec nous. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom. C'est bon. Moi, c'est bon, c'est bon. Bon, on finit nos discours maintenant. Ciao, papa. En Italie, on dit ciao, ciao, papa. Merci.